En tant que mère de deux enfants issus de son mariage avec Maxime Chattam, Faustine Bollard aurait été confrontée à une situation humiliante, qui est indirectement liée à David Hallyday. Ce dernier prépare actuellement son grand retour avec un nouvel album et une tournée à venir. Le magazine Ici Paris souligne cette nature complexe de Faustine Bollard. Malgré sa séduction et sa popularité croissante en tant qu'animatrice, parfois même perçue comme la rivale de Sophie Davant, elle avoue ne pas être entièrement fière de l'ensemble de son parcours. Elle excelle dans l'animation de « Ça commence aujourd'hui », son émission de confidence diffusée sur France 2 depuis 2017. Un programme en particulier suscite un certain malaise chez Faustine Bollard. En 2010, alors qu'elle travaillait au sein du groupe M6, l'animatrice star de France 2 s'était vue confier l'animation de Dilemme, une émission de télé-réalité en huis clos diffusée sur W9. Cependant, elle n'en garde pas que de bons souvenirs. Elle a confessé de manière peu flatteuse lors d'une prise de parole dans le podcast In Power que cette expérience n'était pas très glorieuse. De plus, Faustine Bollard a également évoqué son expérience dans l'émission Rising Star, qui a connu des audiences désastreuses. David Hallyday y officiait en tant que membre du jury, et son père, Johnny Hallyday, ne lui avait pas ménagé ses reproches à ce sujet. « J'ai vécu quelque chose de désagréable du début à la fin », a confié Faustine Bollard. C'était un peu humiliant. L'émission a été un échec. Beaucoup de gens ont prétendu que c'était parce que nous n'étions pas suffisamment solides. Cependant, avec le temps, les audiences de Faustine Bollard sur France 2 ont prouvé qu'elle n'avait plus grand-chose à craindre. Cela peut être considéré comme une sorte de revanche pour elle. Il n'a pas été précisé quel avait été le ressenti de David Hallyday vis-à-vis de ce projet.